Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 à propos du DLC 3 et plus précisément du secret du chapitre 3. Alors, le secret du chapitre 3 qui est sous la glace, donc dans cette vidéo je vais vous présenter les 20 combinaisons de codes que j'ai pu récolter et les 13 emplacements des codes où ils peuvent s'afficher tout simplement. Alors, je tiens juste à faire une dédicace à G-Stone parce que j'ai vu le 13e emplacement du code sur sa vidéo. Donc, je tiens juste à faire une grosse dédicace. Je mettrai sa chaîne en description et n'hésitez pas à aller le voir. C'est un YouTuber anglophone. Donc, première chose à faire, c'est d'aller au milieu de la map et de frapper ce générateur 3 fois. Comme ça, vous allez pouvoir noter les codes en haut. Donc, je vous le conseille de le faire à la manche 1. C'est pour ça que je vous donne les 20 combinaisons de codes. Comme ça, vous pouvez avancer d'une étape et avoir plus facile pour la manche 4, faire l'étape du pommeau de Barbarousse qui est assez compliqué. Donc voilà. Alors, là je vais vous montrer d'abord les 13 emplacements et puis après je vous montrerai les 20 combinaisons de codes que j'ai récoltées. Alors le premier emplacement de code, c'est ici. Donc il faut être en mode trépas bien sûr pour pouvoir le voir. Le deuxième emplacement, c'est ici. Le troisième emplacement, c'est juste là, au-dessus de la porte. Donc normalement vous le voyez avec votre petit gun, mais il faut bien vous approcher de l'image pour le voir. Alors le quatrième emplacement c'est juste là, ou peut-être juste un peu plus bas. Alors le cinquième emplacement c'est juste ici, sur la pierre là, donc vers la montée. Le prochain emplacement c'est juste là, derrière la momie. Le prochain emplacement c'est devant le générateur ici, donc dans le coin, en haut. Voilà. Alors le prochain emplacement c'est derrière la tout cerise, sur la grosse, le gros carré là. Alors le prochain emplacement c'est au-dessus de la petite mitraillette du truc SMG. Donc voilà les mitraillettes aléatoires donc, qui se trouvera juste là. Le prochain emplacement, c'est juste ici, derrière l'échafaudage. Voilà. Là, ensuite, le second emplacement, c'est celui qui se trouve près du générateur ici. Donc à côté de courir vite. Donc juste là, sur la grosse pierre, derrière la caisse. Et l'emplacement que je ne connaissais pas, c'était juste ici en fait. Il y a un emplacement juste là que je ne connaissais pas, que j'ai vu chez G-Stone. Donc voilà, alors maintenant je vais vous montrer les 20 combinaisons possibles. Donc j'ai enlevé les doublons parce que moi j'avais mis des doublons sans faire exprès, j'avais été trop vite. Donc là j'ai enlevé tous les doublons et j'ai refait tout ça au propre. Donc là vous avez vraiment les 20 codes que vous pouvez commencer à taper dès la manche 1, dès que vous avez tapé trois fois sur le générateur que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.